Coucou les amis créatifs, je suis contente de vous retrouver, c'est Sophie. C'est la première vidéo de l'année parce qu'en fait je devais la faire le 31 et j'ai pas le temps. Donc on est le 2, c'est le tirage du concours du mois, le résultat du tirage. Bien sûr en espérant le meilleur pour chacun d'entre nous cette année. Alors, donc le tirage, c'était le concours du mois de décembre, c'était sur le bullet journal. Donc, je fais de manière classique, hein, je viens de faire le tirage au sort, je mets les noms dans un saladier et après, eh bien, je tire un nom. Et alors, cette fois-ci, je vais pas encore regarder qui c'était, eh bien, c'est, je vais vous montrer, si jamais vous n'avez pas le reflet, ce qui n'est pas dit. Ma lumière, voilà, c'est Sandra Buettner. Voilà, Sandra, je te félicite, t'as gagné le bullet journal. Donc, je te félicite. Ce serait une bonne manière de commencer ton année. Je vais rappeler brièvement. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue, hein, parce que c'est une vidéo résultat du concours. Je vais essayer d'une manière générale de le faire moins longue, parce qu'après, même pour télécharger, c'est une misère. Alors, donc, brièvement, il y avait ce bullet journal-là de chez Action, le super bullet journal tropical à gagner. Hein, je vous l'avais montré, vous pouvez regarder si ça vous intéresse de voir comment il est. J'avais bien montré en détail, celui-là, c'est celui que Sandra va recevoir, il est neuf. Le mien, j'ai le même. Donc, à l'intérieur, il est vraiment superbe, je trouve que c'était le plus beau des quatre. Et d'ailleurs, maintenant, on en trouve encore certains. Je sais pas si je sais pas si on en a encore dans mon action. Récemment, on pouvait encore en trouver il y a un mois, mais pas du tout celui-là. Après, il y avait ce petit carnet avec tous les stickers pour votre bullet. Il y a eu plusieurs carnets comme ça, et moi j'en ai gardé un. Voilà, j'en avais mis un au concours. C'est super pour pouvoir s'organiser, organiser son bullet. Enfin, ça aide, en tout cas. Voilà. Ensuite, pour faire le bullet, il y a les crayons de calligraphie de chez Action qui vont vraiment très bien, les noirs. Donc un 2, un 3,5, un 5 pour faire du hand lettering. Moi, je l'utilise hein, dans mon journal, donc franchement, je sais qu'ils sont bien. C'est pour ça que bon, je vous les avais proposés. Je vous avais dit que si j'avais trouvé les or et il y avait d'ailleurs, il y avait aussi des argent or. Argent et rose gold, je vous les aurais mis les 4 plus, enfin les 3 plus le noir, mais je ne les ai pas retrouvés, donc j'en ai pris, j'ai un or pour moi et un rose gold, je vais les garder parce que je ne sais pas quand ils en remettront, sinon je vous les mettrais bien en concours, mais je m'en suis quand même servi, ils sont pas neufs, donc voilà, ça aussi ce serait pas. Voilà, donc celui-ci, je vous ai mis un petit tampon encre noir, au cas où vous n'en auriez pas. J'ai trouvé, je vous avais dit hein, dans la présentation, que je vous offrais plusieurs tampons bois de ma propre collection, de ceux qui étaient en rapport avec le bullet. Et en fait, je vous avais dit, si je les retrouve, je vous mets la boîte. Puis en fait, il y a deux boîtes, donc j'ai acheté les deux. Donc il y a celle comme ça, là, to do, goal smashed, stuff to do, donc chose à faire, but atteint, let's celebrate, quand il y a quelque chose à fêter. Des cœurs, là il y a un. C'est des trucs avec. C'est holographique, mais les tampons sont très très bien. Là, c'est pour faire une page de petit pad de notes. Ils sont vraiment très sympas. C'est important dans un nuage. Et puis il y avait l'autre aussi qui était très bien. Donc avec les jours, cancelled, congratulations et week-end. Et celui-là, je sais plus, mais c'est pareil. C'est en rapport avec ce thème-là du bullet journal. Donc voilà, Sandra, je vais te mettre en barre d'infos mon adresse mail, comme ça tu pourras m'envoyer tes coordonnées. En plus, je t'enverrai une petite surprise, parce que ça je le fais à chaque fois. Donc souvent c'est une de mes créas que j'envoie. Donc tu verras bien ce que c'est. Je te fais la surprise, hein, je ne te dis pas. Voilà, donc surtout envoie-moi bien tes coordonnées. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé parce que vous participez quand même assez, enfin, vraiment bien au concours. Donc ça, c'est chouette, ça me fait plaisir. Hein, c'est le but, c'est de vous faire plaisir. Voilà.
Donc le mois prochain, ce sera, j'y ai réfléchi, ce sera le fameux concours Scrabble que je voulais faire en décembre. Là, j'avais fait le bullet parce que je me disais, bah voilà, comme ça, là, je vais l'envoyer et Sandra pourra commencer son bullet, là, début 2019. Voilà. Sinon, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés. C'est très chouette. Je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous. On a des chouettes échanges et ça, c'est cool. Ça me permet de me motiver à continuer cette chaîne, parce que bien sûr, en dehors de cette chaîne, de toute façon, ma créativité, elle est là. Je ne filme pas tout, mais enfin, voilà, j'essaye quand même de partager aussi des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, objectif 2019, hein, on verra bien. C'est selon l'inspiration. Moi, je ne mets pas de... planifie pas, enfin si, un petit peu, mais dans les grandes lignes. C'est aussi en fonction de... Je laisse... La créativité et l'imprévu, je lui laisse une place. Voilà, je ne vais pas blablater plus longtemps parce qu'après la vidéo va être hein, très longue. C'était surtout pour vous montrer ça et je vous retrouve pour une autre vidéo pour le concours. Là, elle sera plus longue la vidéo pour le concours du mois de janvier. Donc un concours, un beau concours Scrap. Voilà, je vous embrasse les amis. Ciao, ciao. Prenez soin.